Bonjour, donc je vais faire un peu, je vais regarder un peu sur le téléphone les comptes. Donc je l'ai connecté 2-3 par-ci par-là. Donc sur celui-là, tu vois qu'il y a un poste tous les 2 jours seulement. Donc 5, 7, donc là ouais, tu le vois clairement, 7, 10 avril, donc là tu vois, il y a des postes seulement 1 jour sur 2. Donc qui est pas des. Enfin qui est 1 jour sans poste par semaine, c'est normal, vu que c'est pas. On fait 1 jour de pause, on a dit. Par contre, s'il y a un poste tous les 2 jours, du coup, c'est plus du plein temps, c'est du mi-temps. Celui-là, c'est bon. Donc, celui-là, a priori, c'est bon. Mais encore, là, tu vois, il y a eu un creux, il y a eu un poste il y a 2 jours, il y a eu un poste il y a 5 jours, donc il y a eu 3 jours sans poste. Et pareil, c'est bien dommage, parce que sur ce compte-là, tu as quand même 12-15 likes par poste. Donc, 3 jours sans poste, je peux te dire que si c'est ça sur tous les comptes, à mon avis, tu rates pas mal de ventes. Ah, pareil, 15 posts, donc tu vois, au niveau des likes et tout, t'es plutôt pas mal. Par contre, bon, au niveau des posts, bah, c'est pas bon. Il y a plein de jours où c'est pas fait. Tu vois, là, 7, 20 avril carrément, bon, 19 avril. Donc il y a des dates, ça va. Donc il y a une période où c'était tous les jours. Donc dans les posts, normalement, les posts et les stories, c'est les seules choses où il n'y a pas de blocage. Sauf pour séduire, des fois ça bloque pour les posts, mais globalement, pareil, celui-là, pas de post hier. Celui-là, il y a un peu moins de likes sur celui-là, mais de toute façon, comme je t'ai dit, tu vois, 14 publications, faut plus de posts que ça pour gagner des abonnés. Donc celui-là, voilà, bon, je ne sais plus lesquels j'ai connecté, donc ça, je crois que c'est le gros compte, en effet. Celui-là, il y a déjà eu des posts. Donc, ouais, bon, ce matin, il n'y avait qu'un post. Donc, l'autre, il a 0 post. Donc, même les nouveaux comptes qu'ont 5 jours pour la chauffe, bah, tu peux quand même poster. C'est juste quand on fait la chauffe, c'est juste le follow qu'il y a les mollo, mais les posts, c'est tous les jours. Donc, je suis là, je crois que j'avais déjà regardé tout à l'heure. Donc voilà, en gros, pareil pour celui-là. Celui-là, je sais plus, ils ont combien de temps ces comptes-là, mais ils ont bien une semaine ou au moins 5 jours. Il y avait toujours 0 poste. Donc voilà. Donc je pense que bah, de toute façon, là le truc, je viens de récupérer seulement le PC, donc. Effectivement, à la vente, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, après, s'il n'y a pas d'employés à la vente, ça va très bien. Sinon, deuxième idée, on fait un système de pénalité. Pénalité 5 000 arrières à chaque fois qu'il y a un poste oublié. Et je peux te dire que là, si on faisait ça, que je connectais tous les comptes avec une pénalité de 5 000 arrières, bon, je pense que je lui ferais un salaire, bon, de zéro, à peu près. Donc. Donc voilà. Après, je t'ai dit, là, sur ces comptes-là, la story, ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que là, tu n'auras pas de clic. Parce que les stories, tu as vu que ça s'enlève en 24 heures. Et là, vu que tu as 0 abonné, bah, la story, ça sert à rien, parce que personne ne la voit. Les posts, ça a un intérêt, parce que quand tu vas commencer à follow, si tu as déjà une dizaine de 10-15 posts, ils vont plus s'abonner à toi que si tu as 3 posts. Donc le post, c'est toujours utile pour gagner des abonnés, mais les stories, tant que tu n'as pas 30-40 abonnés, ça sert à rien. Donc après, j'ai pas vérifié non plus les messages automatiques, mais tu vois, globalement, moi personnellement, sur mon téléphone, je peux te dire que là, poster sur les 10 comptes, ça me prend 15 minutes à tout casser, 15-20 minutes grand max. Donc même si j'avais 25 comptes, franchement, poster sur 25 comptes, ça me prend
30, 40 minutes, 50 minutes maximum. Surtout que là, sur les nouveaux comptes, il n'y a même pas de texte. Donc, alors là, c'est juste poster une photo, quoi. Donc, voilà, bon, j'ai pas tout reconnecté les comptes. Donc, ceux-là, ouais, 11 abonnements, ceux-là, tu peux commencer à follower un peu plus, on va dire, je sais pas, faire 10-15 follow, mais bon, c'est pas trop de ceux-là. Mais en gros, faut revoir, j'ai pas connecté tous les comptes, sinon, je peux les bloquer. Mais globalement, il y a moyen de faire largement mieux que ça. Donc, bon, pour le système, tu vas me dire ce que tu penses du système des pénalités. Moi, je trouve ça pas mal. Si on voit qu'il n'y a pas assez de follow qui a été fait et que le compte n'est pas bloqué, donc ça, de toute façon, il faut vérifier, mais il va falloir trouver un moyen parce que sinon, ça va être beaucoup de pertes. Et même un salaire de 200 000 arrières, si le travail est fait à moitié ou même un quart, c'est trop cher. Donc voilà, bon, ce qu'il faudrait que tu fasses, bon là j'avais pas le temps ces derniers jours avec les pubs et tout, et là je fais les fichiers texte du service client. Donc, faudrait que tu m'envoies le truc avec tout le nombre de follow et tout, comme ça par exemple, faut voir le nombre de followers en fin de semaine, à chaque fin de semaine et le nombre de posts, et on fait. Et voilà, donc en fait c'est mieux, tu vois, de rester dans les 50-60 follow par jour, comme ça il n'y a pas de risque de blocage de follow normalement. Et comme ça c'est plus facile de voir le nombre de follow qui a été fait par semaine s'il y en a zéro qui sont bloqués. Donc, par exemple, s'il n'y a pas eu assez de follow sur un compte, on fait 5 000 arrières de pénalité sur le compte qui n'a pas eu assez de follow, bon, à moins qu'il soit bloqué. Là, évidemment, s'il a été bloqué de follow, on fait pas de pénalité. Et s'il y a un compte, par exemple, qui n'a pas eu assez de postes, ou que c'est un poste tous les 2 jours, on refait une pénalité 5 000 arrières. Donc sur 25 comptes, tu penses bien que si il y a un oubli de postes, de 10 postes, ça fait déjà moins 50 000. Donc ça, je pense que c'est pas mal pour garder la motivation, le système des pénalités. Parce que pour le coup, le logiciel de follow, quand on lui dit un nombre de follow et un nombre de posts par jour, il le fait. Donc c'est ça l'avantage du logiciel. Donc à part ça, je voulais dire, ouais, le service client, j'ai vu qu'il n'y avait que 10 messages dans Facebook. Donc bon, il y a extrêmement peu de service client. Donc j'ai préparé déjà un message automatique, donc envoyé à 10 clients, ça a pris même pas 3 minutes. Donc, pour le SAV, je pense que pour l'instant, il n'y en a pas encore, parce qu'il y en a beaucoup trop peu pour que ça fasse même 1 heure de travail par jour. Là, ce qu'il y a en SAV, c'est même pas 5-10 minutes. Donc, voilà pour Instagram. Je t'envoie ça.